voisin, dis à ton voisin, quelque chose va se passer ce matin. Et ça va se passer dans ma vie. Si ton voisin n'est pas content pour toi, c'est un vilain suspect. Change de voisin, dis, voisin, quelque chose va se passer ce matin. Et ça va se passer dans ma vie. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite et dire félicitations au voisin? Dieu bénit d'être là ce matin. Quelqu'un dit amen. Amen. Combien d'entre vous savez que c'était pendant une nuit que 430 ans d'esclavage se sont arrêtés? À une seule nuit. Une seule nuit. Juste une nuit. Combien d'entre vous savez que c'était pendant une nuit que le nom de Jacob a été changé en Israël? Amen. Combien d'entre vous savez que c'était encore pendant la nuit? Les plus grandes choses qui sont produites dans la vie sont produites la nuit. D'ailleurs, Dieu a créé le monde de la nuit. Il n'a jamais créé le monde le jour. C'est pour ça que la Bible dira toujours une heure soir et une heure matin. C'est fut le premier jour. Dieu a commencé son travail. Et cette nuit-ci, quelque chose que tu n'avais jamais vu dans ta vie, depuis que tu as cru jusqu'à aujourd'hui, ça va arriver au nom de Jésus. Je ne te demande pas parce que j'ai déjà réglé avec ça Dieu quand j'ai quitté l'hôtel. Il y a réglé le fait qu'il faut avoir des miracles authentiques et je veux des témoignages. Il y a le temps pour les témoignages, donc on va écouter les témoignages. Et je sens que quelqu'un ici là, ton nom sera parmi les témoignages que tu auras. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vécu à cause du son de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La parole de ton témoignage. La parole de ton témoignage. C'est celui qui témoigne qui est vainqueur. Celui qui ne témoigne pas est victime. Le témoignage te donne la victoire. J'ai entendu les gens dire, moi je peux le témoigner parce qu'il y a des sorciers qui peuvent voler mon témoignage. C'est faux. Le diable ne peut voler que ce qui, la graine qui est tombée à terre et la terre était arrivée. Mais il ne peut pas voler la semence qui est tombée dans la terre. Et le témoignage, quand tu témoignes, tu rends la gloire à Dieu. Et le diable ne peut pas voler la gloire de Dieu. Donc la seule manière là, de protéger ce que tu as fait dans ta vie, c'est de témoigner rapidement. Plus tu témoignes, plus Dieu agit. Dans mon église, il n'y a aucun culte sans témoignage. Aucun. C'est pour ça que quand le prophète Adé est venu pour la première fois dans mon église, Adé Samuel de Réobot, dès qu'il arrive, témoignage. Tu étais dans mon église, témoignage. Combien de témoignages tu as suivi avec lui? Témoignage. Je ne peux pas quitter sans témoignage. Parce que c'est ça qui dégage l'atmosphère plus que la prière. Il y a la louange, l'adoration et le témoignage. La parole. Et j'ai vu Dieu faire des choses et les gens des témoignages si graves depuis que j'ai commencé. Même au niveau de la famille. Et en tout cas, ce soir, Dieu va encore faire quelque chose et on va te voir. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Avant de donner la parole ce matin, la Bible dit que Jésus a vaincu le diable. Il est écrit. Dis avec moi, il est écrit. Il est écrit. Dis encore, il est écrit. Il est écrit. Il n'a pas vaincu, bah, il est prêché. Il est dit. C'est pas il est écrit. Personne ne peut vaincre ce qui est écrit si ce n'est pas ce qui est écrit. C'est la raison fondamentale pour laquelle lorsqu'on a attrapé la femme adultérienne, Jésus s'est mis à écrire. Pourquoi? Parce qu'on est venu dire il est écrit dans la loi de Moïse de cette personne. Or, on veut une parole par une parole. On veut un écrit par un autre écrit. Aucun président ne peut changer un décret par une parole. Le décret se
chance par un autre décret. C'est pour ça que vous avez fait ce qu'on appelle la réforme constitutionnelle. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tant qu'il n'y a pas une réforme constitutionnelle. Il faut changer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit qu'on a même Jésus écrit. C'est la raison pour laquelle lorsque le roi marquait tout l'amour qu'il avait pour Esther, après avoir même pendu Naaman, c'est que le roi avait déjà écrit et scellé les vêtements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne peut pas être changé. Quelle est la réponse? Il faut écrire une autre, faire un autre décret. Que tous les juifs se défendent. Ce qui est écrit ne peut. Or, la seule manière, et c'est pour ça qu'il a écrit cela. Et beaucoup de gens ont développé des théories sur ce que Jésus a écrit. C'est même dit que, wow, il a écrit les péchés des gens. C'est faux. Jésus n'écrit pas les péchés des gens. Nulle part. De Matthieu jusqu'à Dieu, n'est jamais vu Jésus écrit les péchés des gens. Les gens qui passent le temps à voir les péchés sur les vies des gens, ce n'est pas Dieu. Jésus n'écrivait pas. Jésus est venu avec la grâce. Ce qu'il écrivait sur la terre, c'était l'amendement, c'était le référendum. Il écrivait la constitution. Il y avait amendement à la constitution. D'accord. Celui qui attrape une femme sur plus d'adultère, venait d'abord. L'ajout qu'il a eu, il a reçu. À condition que ceux qui le mettent d'abord eux-mêmes soient sanctifiés. Or, puisqu'aucune femme, je sais que les femmes sont fortes pour revendiquer tous les droits. Ici, on va me dire qu'Abidjan, c'est la femme qui est le chef de famille. Quelle abomination! Pareil que la femme revendique tout. Mais je n'ai jamais vu une femme commettre l'adultère, elle seule. Prof. Pour une femme commettre l'adultère, il faut qu'il y ait un nom. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un dit il est écrit. Dis avec moi, il est écrit. Il est écrit. Oh, je ne voulais pas entrer dans le mystère, il est écrit. Mais le livre que tu as entre les mains, c'est quelque chose qui a été écrit par Dieu. Avec Dieu m'a poussé à écrire le livre, il faut être honnête. Et le livre, c'est recevoir la faveur divine. Je le recommande. Et je le dis. L'esprit de l'auteur est dans ce livre. Prends ce livre. Ce livre-ci provoque une faveur incroyable dans la vie. Incroyable. Je vous ai dit l'autre jour que si vous voulez définir ma vie, définissez ça par la faveur. Les choses ont favorisé à tous égards. Favorisé. Mon épouse m'a appelé l'autre jour, elle me dit que moi je te comprends pas. Il dit pourquoi? Il dit que je suis avec toi depuis 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à te servir. Tu as une faveur bizarre. Quand ta femme dit ça, c'est que tu as vraiment la faveur. Mais c'est la femme de l'homme de Dieu qui connaît l'homme de Dieu. J'ai appelé ma femme. J'ai dit, tiens. On avait, à l'époque, on avait 10 ans de mariage. J'ai dit, viens. Je t'envoie aux États-Unis pour l'occasion de 10 ans. Va te reposer. Tu as supporté un fardeau comme moi pendant longtemps. Voilà. Va passer un mois aux États-Unis. Ma femme dit que je pars quand elle me dit que tu pars dans 3 jours. Elle dit, je n'ai pas pris rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Il y a tout un cachet qu'il faut remplir sur Internet. Allez faire tout. Et puis, il faut me donner la. J'ai dit à ma femme que moi, je suis ambassadeur du ciel sur la terre. Entre collègues ambassadeurs, on va arranger des choses. Je donne les visas aux gens pour le ciel. C'est pour les gens qui ne pas te donner. Lève-toi, tu viens. Quelqu'un qui donne le visa, on paie les tous ambassadeurs, mais il y a les degrés. L'ambassadeur du Tchad ne parle pas fort en Côte d'Ivoire, mais l'ambassadeur de France parle fort. Est-ce que je parle? Vous êtes tous ambassadeurs, mais c'est différent. Quelqu'un dit amen. C'est ce que je disais tout à l'heure l'autre jour. On peut porter tous la tenue militaire, tous être de l'armée. Mais la différence au niveau des grades. La tenue du général est la même chose que la tenue du sergent. C'est le même tissu. Parfois même les mêmes bottes. Mais
différence et les galons qu'il y a sur les épaules. Yes. On peut porter la même Bible, parler de la même manière, mais ce qui peut arriver, c'est l'onction et l'huile que j'ai sur ma tête. Et c'est pour ça que je dis à quelqu'un aujourd'hui, si ton histoire va changer. Regarde, tu n'as pas passé la nuit à dormir, tes amis sont en train de dormir. Donc si tu ne dis pas à mes voix et tu me regardes bizarrement, mieux valait pourtant que tu as dormi. Parce qu'il faut que pendant que tu es vide et que les autres dorment, que demain matin à 9h, qu'on voit la différence là. Qu'on voit le changement dans ta vie. Même si tu es là-bas dehors, lève-toi et crie Amen fort. Je ne vois pas les gens dehors crier Amen fort. Parce que je vais descendre ici. Quelqu'un dit Amen fort. Quelqu'un dit fight. Aïe 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 aïe. Du fight. Aïe 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 aïe. Restez connectés parce que j'arrive sur vous ici. Il y a 8 miracles qui vont arriver ici à vous qui êtes ici. Si tu dis mais plus fort que ceux qui sont les dames, je reste ici. On dit Amen fort, j'ai que chacun des droits pour aller faire le pupitre là-bas. Si ici des dames t'ont amené, ne dépasse pas ceux de dehors, j'ai dit ange de pupitre, je m'en vais. Dis Amen plus fort que ceux qui sont. J'ai dit à mon épouse, lève-toi, je t'amène dans le maman là-bas. Ah, mon chauffeur, c'est un policier. Il est inspecteur de police. Ma famille, pourquoi c'est que ton patron dit? Il dit qu'on va y donner la même visa, il dit à la massacre. Mon chauffeur lui dit que laisse. Celui-ci, on ne le comprend plus. C'est un esprit. Entre aussi, tu fais moi. C'est toi, c'est ton dos qui monte. Bon, entre aussi dans la voiture, on va. C'est pas là que vous. On arrive à l'entrée de la massacre. Les gens sont arrivés. Dans mon tête, je vois réfléchir, je dis que mais Camden, toi si tu es. On va faire comment pour passer par Cameroun que tu vas donner un peu d'argent, mais ils vont se laisser rentrer. Dès que j'approche, deux gardiens qui étaient là, il dit à l'autre, tu connais le monsieur qui vient là? L'autre dit que non. C'est lui qu'on voit dans les panneaux. À un moment dans mon pays, j'avais plus de panneaux que le président de la République. Hey! C'est bon, c'est faux. C'est comme si le Cameroun m'a parlé. Le général. Plus les ennemis ont pris les familles, ils ont mis sur Internet. Allez cliquer Google. On m'a insulté avec sa grave. Hein? Et maintenant, tout le monde commence à mettre les panneaux au pays. Il dit que plus que le président de mon pays. À un moment, les chefs d'État sont venus au Cameroun. On demandait si c'est le gars qui est l'opposant. Parce qu'ils connaissaient le problème, dit que c'est l'opposant numéro 1. Non, c'est un jeune pasteur là qui se. Ah! Il a pris le pays en captivité. Tu vas prendre la Côte d'Ivoire. J'ai dit que ton nom sera connu en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais que c'est ton Amen qui valide ta prophétie? J'ai le temps aujourd'hui, donc vous pouvez parler avec là. Il dit à ma femme, arrive, il dit que c'est lui là-bas. Il dit non, c'est pas lui, il est petit. Je te dis que c'est lui. Le général, quand j'arrive, il dit, excusez, c'est vous le général. Il se met à genoux. Il dit, pardon, bénissez nous, on a la chance de vous voir. Les gens sont quittés des états de l'Europe pour venir me voir. En gros, Cameroun, ils sont repartis sans vous voir. Il dit, nous, on a la chance de vous voir. Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire? On veut un miracle, là, là, là. Yes! Le général! Les gens étaient alignés! Est-ce que Camden s'est fait prier deux fois? Jamais! Il dit, levez les mains, fermez les yeux. Ils ont levé les mains, ils ont fermé les yeux. N'ouvrez pas les yeux parce que votre miracle va venir avec les yeux fermés. Hey! Ils ont dit, Amen! Amen! Ils restent comme ça avec les yeux. Pendant qu'ils sont en train de prier, je dis à ma femme, tu avais ce pas derrière, tu vois. J'avais ce pas derrière! Et je leur dis, si vous ouvrez les yeux, vous regardez votre miracle. C'est quand ma femme est entrée dedans que je dis, ouvrez les yeux, le miracle est déjà arrivé. Arrivé, le plus difficile, c'était maintenant
Canada, il va aller voir le monsieur qui va lui dire, votre petit papier, qu'on te voit là-haut. Votre petit que le vieux blanc qui était là, j'ai regardé sa tête. Tu connais un noir qui peut donner à cause de 10 ans de mariage à sa femme. Ah oui, c'est pas moi. Payer pour qu'elle aille se reposer et qu'elle vive bien. Ça n'existe pas, les noirs ne vont pas te dire que je suis le premier noir. Hey. Encourage-moi, encourage ma femme. Donne le visa. Je me suis dit que voilà un bon noir. Il a écrit le visa. Elle m'a dit ça à ma femme pour les États-Unis. Elle dit son ton repas. Ne regarde pas derrière, est-ce que tu l'as appelé pour le visa? Elle est à Floride, à Tampa. Elle a fait un mois. Elle est revenue. Elle a dit oui. Attendez. Une semaine qu'elle est revenue, il ne fallait pas appeler l'homme de Dieu à 21h, 22h. Il était occupé. Que les mariés qui ont l'esprit pour entendre ce que l'esprit dit aux mariés. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, j'aime le général. J'aime le général. Même si tu n'es même pas dit, l'amour va venir après. Dis, j'aime le général. Et c'est en confessant que l'amour. Ok, quelqu'un dit la faveur. Justement, je vous dis que je suis un homme favorisé. J'ai la faveur d'amour. J'ai la faveur. C'est vrai. Je ne peux pas demander que chaque quelqu'un ne me donne pas. Jamais. J'ai même parfois peur de demander les choses aux gens. Mais tu vas me donner même sans savoir pourquoi tu me donnes. C'est après même que tu vas regretter, mais tu vas acheter quand même prix. Je communique cette faveur dans ta vie au nom de Jésus. Je vais demander le visa pour le Canada. Je demande de me donner un an pour partir. Le Canada m'a donné 10 ans. 10 ans, quelque part. Je m'en vais au Brésil, je dis que vraiment je vais rester. Le gouverneur du Brésil dit que pardon, deuxième brésilien. Le gouverneur de Rio de Janeiro. Deuxième brésilien une fois. On me donne une maison, on me donne une voiture, tout. Je dis que mon frère, au Cameroun, ne croit pas la double nationalité. C'est la grâce. Et aujourd'hui, je suis allé encore, on m'a amené quelque part pour que j'ai ma carte de résidence en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, j'ai fait 600 visas. Ça sera le 25e pays que je peux partir sans visa. Mm-hmm. 25, j'étais à 24. Aujourd'hui, on est allé à ONI, National d'Identité. Donc maintenant, je me vois là, je suis ivoirien. Je sais que toi qui es Burkinabé, tu n'as pas acclamé. Que les Ivoiriens acclament. Je pense que je connais déjà le problème qu'il y a avec l'identification. Quelqu'un dit la faveur divine. 16 à 15. Esaïe chapitre 32. Lève-nous pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Esaïe, chapitre 32, verset 13 à 15. Esaïe 32, 13 à 15. Esaïe 32, le verset 13 à 15. Sur la terre de mon peuple, croisent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance, de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les âmes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront. Le verset 15, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert ne change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Une forêt. Tous ensemble, le verset 15. Allons-y. Jusqu'à. On
d'inspiration est arrivée. Dis avec moi, la date d'expiration est arrivée. Dis-le plus fort. Dis-le plus fort. Va vers cinq personnes maintenant et dis à ces personnes, la date d'expiration est arrivée. Vas-y, vers cinq personnes, va vers cinq personnes. Va le parler, va le parler. Attaque à Paris, gâchata, la baïa, ya, ya. Est-ce que tu as dit à ces personnes, assois-toi dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis amen fort et je vais prêcher. Amen. Dis amen plus fort et je vais prêcher. Amen. Dis amen plus fort et tu reçois la révélation de ce moment. Lève la main droite. Dis la date d'expiration est arrivée. Amen. Et la fiche là. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Oh.
Israël était toujours en captivité. C'est le jour où ils ont crié à Dieu que Dieu a envoyé un prophète Moïse pour arrêter leur souffrance. Et la carte d'explication de l'esclavage est terminée. Donc tu prêches là, tu m'écoutes. On t'a fait une promesse depuis. Une prophétie est sortie dans ta vie. Que tu vas avoir ceci, que tu vas voyager, que tu vas te marier, que tu auras quelque chose. Mais tu attends, tu attends, tu attends. Ça ne venait pas. Mais aujourd'hui, Dieu t'a envoyé toi ici dans ta vie. L'expiration de ta souffrance est arrivée. Chaque fois que tu envoies un homme de Dieu de loin pour te parler, sois sûr que ton cri, un problème sérieux sera résolu dans ta vie. Et je te dis, ça sera résolu. Amen. Et Dieu m'a demandé pourquoi tu parles souvent avec tant de conviction. Je lui ai dit parce que j'ai plus de 30 ans de marche avec Dieu. 30 ans. 25 ans de ministère. Je sais sous quoi je veux dire. J'ai vu des choses incroyables se produire. Quand la date d'expiration arrive, quel que soit le problème que tu as, le Seigneur va trouver une solution pour apporter la délivrance là. Elle est pasteur dans mon église aujourd'hui. Elle était enceinte depuis 4 ans. Elle s'appelle Madame Ombédé. Cathédrale de la foi omnisport, officier supérieur de police camerounaise. Cette femme, j'étais en train de prêcher comme dans une nuit de prière comme ça. Elle était assise là, enceinte. J'ai la regard, j'ai dit, madame, félicitations, tu es enceinte, tu auras une fille. La femme elle est là. Elle dit, ah, prophète, comment tu peux dire ça? J'ai dit, félicitations. Amen. Parce qu'elle avait tellement mis les témoins. Amen. Elle se tourne. Quelques temps après, elle part. Elle ne voit plus. Tourne. Elle dit, oh, je suis enceinte. Le ventre commence à gonfler. Je suis enceinte. Elle va voir son gynécologue, le médecin. Le médecin, elle dit au médecin, je suis enceinte. Et je voulais que tu regardes comment va l'état de l'enfant. 3 mois plus tard, le médecin commence à pleurer. Elle dit au médecin, pourquoi tu pleures? Le médecin dit qu'il y a de cela 5 ans, tu étais venu à les fibres, tu te rappelles. Il dit, on avait fait opération, on a enlevé ton utérus. Je ne t'ai jamais dit. C'est impossible que tu sois enceinte. Tu n'as pas d'utérus. Elle a commencé à pleurer. Elle a repris sa voiture, couru dans mon but. Elle s'appelle Madame Omédé. Je le dis devant la caméra. Allez vérifier. Tu peux lui donner son numéro. J'ai même mis ce témoignage sur Facebook. J'ai mis quand j'ai parlé, j'ai écrit une phrase sur Facebook. Elle est pasteur dans mon église. Pasteur fait les, tous les samedis la réunion dans une de mes radios sur les femmes d'Alliance. Elle pourrait Dieu me voir de là. Papa! Je l'ai regardé dans les yeux. Est-ce que j'ai bien dit que je sois du virus? Elle dit non. J'ai dit quoi? Elle dit que je sois mon bébé, un enfant. Avec l'utérus ou sans l'utérus, tout va en bouche. Il y a quelqu'un ici là. On a dit que tu ne pouvais pas faire telle chose parce que tu n'as pas les capacités de produire la chose. Avec ou sans ça, si tu te lèves, j'ai une merveilleuse fille. Il y a des gens
regardez quand il parle dans ta vie, tu réfléchis. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus arrive à Nazareth, il n'a pas pu faire les miracles parce que les gens le croyaient. La familiarité et l'incrédulité n'arrêtent pas le prophète, mais ça arrête le peuple. La familiarité et l'incrédulité n'arrêtent pas le prophète, l'onction du prophète, mais ça arrête la réceptivité du peuple. Parce que le même prophète ira ailleurs et les résultats seront évidents. Donc ça ne l'a pas arrêté, ça doit tellement arrêter. C'est pour ça que je dis, laisse ton cœur ouvert, parce que n'importe quoi peut arriver dans ta vie ce matin. Chapitre de Ésaïe, tu es toujours fâché.
la colère de Dieu est le thème. Les 27 autres livres, Dieu est toujours en train de pardonner, de restaurer. Même chose dans la Bible. 39 premiers livres, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu colérique. Dans les 27 autres chapitres qui restent, c'est toujours un Dieu en train de pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. L'évangile, le livre d'Ésaïe appelle le message prophétique christocentrique et messianique. Le thème, c'est Jésus-Christ. La souffrance, sa vie, sa naissance, née à Bethléem, grandit, mort, sa mort, sa... tout parlant de la vie de Jésus. Exactement comme le message christocentrique de la vie. Donc en réalité, la capacité à comprendre le livre d'Ésaïe est fondamentale dans la capacité à comprendre toutes les saintes écritures. Je n'entends pas la vie. Esaïe déclare dans le chapitre que nous venons de lire, dans la maison de mon peuple, et j'aime bien ce passage, il dit, si la terre de mon peuple croise les épis et les roses, quelqu'un dit, quelqu'un dit, si la terre de mon peuple, il n'a pas dit, si la terre du peuple de mon ennemi, il n'a pas dit, si la terre des sorciers, il n'a pas dit, et les roseaux chrétiens, et sur la terre de mon peuple. Le peuple, la terre promise à Abraham, la terre promise à Isaac et Jacob, le territoire béni où il a dit là-bas il y a le lait et le miel, mais au lieu du lait et du miel, sur la même terre croissent les épis et les roses. Le problème que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est que le lieu qui devait être un lieu de bénédiction est devenu un lieu où les gens souffrent, un lieu où les gens pleurent, un lieu où les gens crient, un lieu où on ne va plus de lire. Mais aujourd'hui, ça va changer en ta faveur. Je dis ça va changer en ta faveur. Sur la terre de mon peuple, comment un territoire béni par Dieu les épis et les roses. Numéro 1, notez pas accepté. Les épis et les roses n'étaient pas au début de la création. Les épis et les roses n'ont pas apparu quand Dieu a dit tout était bon et pas. Les épis et les roses ont apparu après la chute. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit que la terre désormais te produise des épis. Les épis et les roses sont le produit de la malédiction. Sur la terre de mon père, la malédiction apparaît, la souffrance apparaît, l'échec apparaît, le célibat apparaît, les maladies incurables apparaissent. Ce matin, les gars de mon père, je parle dans ta vie. Tout ce qui est épis, tout ce qui est problème, tout ce qui est souffrance, j'arrache la terre. Toute personne qui s'approche de toi et qui veut ça.
faisais juste. J'arrête son cœur. Je mélange avec le gris-gris de Jésus. Et je fais que l'homme là va seulement mourir. Il marche, il pense à toi. Il boit, il pense à toi. Il va mettre la bague sur ton bras. Si tu lèves ta voix, tu dis Amen fort. Je crois cela. Sur la terre de mon peuple, quoi soit les épis et les ronces. C'est que du fire. C'est que du fire. Les épis sont le produit de la malédiction. D'où vient ça? Alors que Dieu n'avait pas prévu. Il dit quoi? Sur la terre, les épis parlent du rejet. Les épis parlent de la souffrance. Les épis parlent de la maladie. Quand Jésus souffrait, on a mis quoi sur sa tête? Une couronne. Les épis parlent de la solitude. Les épis parlent des mauvaises relations. Comment dans ta vie tu n'as que des mauvais gens? Les gens qui ne veulent des autres pour t'exploiter, pour t'utiliser. Et quand ils ne peuvent plus rien gagner de toi, ils t'attendent. Ça, c'est quelle histoire ça? Ça, c'est quelle histoire ça? Tu ne peux pas aussi avoir des gens qui viennent t'aider dans la vie, qui veulent te faire avancer. Les épines croissent sur la terre du peuple de Dieu. Le Seigneur dira dans Nombre chapitre 33, verset 55. Mais si vous ne chassez pas ces habitants de la terre promise, ils seront comme des épines. Des épines pour vous. Personne ne peut rester dans la terre promise avec des épines dans sa vie. Pour la nécessité d'être séparé de toute personne qui n'est. Parce que les épines peuvent être une mauvaise personne dans la vie. Une de nos filles, une femme, elle, une de nos filles avait sa cousine, sa nièce. Elle était la tante de la nièce. Elle vient, sa nièce veut se suicider. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait son blanc, un italien. Le gars, il faisait internet, vous connaissez non? Skype, Imo, Facebook, WhatsApp, il y a quoi? Viber, Instagram, hein? Messenger. Ça va, je t'aime aussi. Fais-moi, tu me manques. Moi, je te manque. Fais-moi alors voir un peu. Ah, on va dire que tu es épousé. Oui, moi aussi. Avant, alors les photos. Tout allait bien, le produit était parfait. Le produit était propre. Il dit, le blanc dit, je viens à l'aéroport de Douala. Je vais venir, on va se marier. Il a tout arrangé. Ton ami, la fille dit, je connais ma famille, ce sont les sorciers. Ils vont chercher à détruire mon mariage. Je vais le dire après. Elle dit seulement à sa mère et à sa meilleure amie. Oh yo. Vous connaissez les mauvais athlètes. Et les voyages qui vont arriver à l'aéroport, et dit à son ami, toi tu fais Kaba. Vous connaissez Kaba? Tu ne suis pas. Lève-toi. Tout mets bien. Tout habillé comme ça, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas les pieds. Comme pour dire que mais, moi je vais m'habiller sexy. Toi tu t'as pour que le blanc là, il ne nous confonde. Vous comprenez ce que ça veut dire non? Mais que toi, tu caches tout ton corps. Moi, je montre mes diplômes. Donc, des fois là, le blason est France flou à l'époque. Le blanc sort, il regarde la fille. Elle est taillée sexy que Rihanna, Jennifer Lopez. Il y a quoi qui là? Lady Gaga. Beyoncé. Donc, elle sort, la fille commence à faire tout. Le plan dit que voilà le produit. L'histoire commence bien, bien, une semaine, deux semaines, ils vont à la mairie. Et ils épousent là. Le jour du mariage, ils vont à la nuit des noces. La nuit là, quand elle finit le mariage, à 4 heures du matin, la femme touche le lit, elle ne voit pas son mari.
5 heures, elle me voit, venez d'aller à la cuisine faire le petit déjeuner, comme ils voient dans les films là. Vous qui voyez les nouvelles, la civile, les films brésiliens, des plats où le matin tôt, l'homme vient avec le petit déjeuner, avec les croustillants et le jus d'orange. Ma chérie, c'est ton petit déjeuner sur le lit. Et ça vous fait rêver. C'est le film! Demandez aux mariés qui sont en moto de vous. C'est le film! Donc, elle pensait qu'il allait faire le petit déjeuner. Quand elle est une de 12 heures, une de 6 heures, elle commence à être. On a volé peut-être son blanc. Elle descend, demande au gars de l'hôtel, mon blanc, est-ce que vous n'avez pas vu monsieur Dubois? Ah, il est parti avec ses affaires. Comment ça? Ah, il est parti. Il a payé la note, il est parti. Elle appelle le numéro du gars, ça ne passe plus. Elle dit que c'est elle. Elle appelle tout le monde, sa famille. C'est que je ne comprends pas. Elle appelle le numéro de son ami, ça ne passe pas. Hey. 6 mois plus tard, elle apprend que son mari, sa meilleure amie est allée avec son mari. Ils sont en Italie en train de vivre mariés. Pendant qu'elle préparait le mariage, les autres préparaient le visa pour partir. 6 mois plus tard, la fille dit que je vais me tuer. C'est fini, je vais mourir. C'est là où Satan te dit, tu meurs pourquoi? Il y a un prophète à Yahweh au Cameroun. Viens voir mon père, c'est le général. Là, Satan te la met comme ça pour Gogo. J'étais assis là, Satan te dit que vraiment l'esprit de la femme commence à expliquer. Elle-même le savait même posséder. Donc elle commence à expliquer problème sur problème. Et puis elle arrive à un niveau, j'entends souvent tu me dis que on a acheté le mari de cette femme. Il faut le racheter. Il dit quoi? C'était ma première fois où j'entendais Dieu me parler de racheteur. Il dit, madame, on a acheté le mari. 1 million de francs avait été donné à un marabout à l'est de mon pays. Chez les Guinéens. Les gens de Bouvetard, ils sont reconnus dans la sorcellerie grave pour pouvoir voler le cœur de cette femme. Et c'est comme ça que le cœur de l'homme est amené sur l'autre femme. Ce n'est pas une question d'habillement sexy qui fait que tu restes avec l'homme. C'est une question de puissance spirituelle qui fait que tu restes avec l'homme. Est-ce que je parle de quelqu'un ici là? C'est ainsi que la femme, je me fais comment? J'ai dit à la fille, apporte-moi les 1 million là encore. Je vais retrouver le cœur de ton mari de revenir. Elle a dit, oh voilà l'argent que j'ai gardé pour partir. Elle a déposé. Elle est revenue le lendemain avec. Ingatou Boumaga, Ikataraba. Quand j'ai sorti la danse prophétique, j'ai dit, partout où il y a le cœur de cet homme, je l'amène. J'arrête son cœur et je le l'amène avant. J'ai fini. J'ai dit, va. Quand je prie ma femme, tu ne vois rien. C'est dans le spirituel que tu vois les choses arriver. Amen. Quand j'ai fini de prier comme ça, le lendemain, à 2h du matin, son téléphone sonne. Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie! Peu où? C'est le blanc qui pleurait au téléphone. Et pas tu m'as abandonné pour aller avec mon ami. Que pendant tout ce temps, je pensais que c'était toi qui étais dormi. C'est ce matin, quand je tombais cette nuit, je me réveille, je vois que c'est une autre femme qui avait moi. Depuis 2 heures, depuis minuit, je suis en train de bagarrer. Tu fais quoi ici? Où est la femme que j'étais allé chercher au Cameroun? Il dit que chérie, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. À l'instant où je vous parle, le monsieur a envoyé la femme a fui. Elle est partie ailleurs. Mais il est revenu chercher sa propre femme. Et ils sont revenus en ligne. Je prophétise dans ta vie. Toute personne qui a pris ce qui t'appartenait, aujourd'hui tu récupères.
C'est pas vrai. C'est pourquoi vous parlez pas des vieux comme vous. Il a osé
parlé contre mon pasteur. Non, mais c'est ton pasteur quand même. Il dit, écoute. Lorsque j'étais déjà à l'église, cet homme est arrivé dans mon village pour une croisade. Il m'a levé. Il dit que dans un mois, ta vie change. Je lui ai dit, ma vie change dans le commandement. J'ai déjà occupé les fonctions. Je suis déjà arrêté à 58 ans. J'attends encore quoi. Il a prophétisé que le président va m'appeler. Je fais partie des sénateurs qui n'ont pas été votés, que le président a nommé au Sénat. Deux semaines après sa prophétie. Il y a quelqu'un ici là. Avant la fin de cette année, tu vas occuper une position que personne n'a connue. Si tu savais qui parlait ici là maintenant. Nomination au Sénat, nomination. Je n'ai pas fait campagne. On m'a nommé au Sénat. Je suis sénateur grâce à lui. Écoute bien, est-ce que moi je parlais contre ton Ribi? Lui, il est mon Ribi aussi. Et le vice-président du Sénat se trouve. Il dit à ceux qui parlaient, tu parlais contre le général de Dieu. Est-ce que tu sais que c'est le pasteur de la Grenada? Mais Loma, si tu veux mourir avant ton temps, si tu veux arrêter ton mandat avant l'heure, arrête-toi tranquillement d'en bas. Je n'étais pas là, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas suivi. Moi, je veux. Ton nom sera créé dans ce pays. Si tu connais un peu quelqu'un qui sait lui-même, ton nom sera respecté dans ce pays. On va honorer ta mère à cause de toi. Commence avec le village. Il dit,
Dis à mon peuple que je veux d'abord, il y a quelqu'un qui a un seul testicule, je veux créer le deuxième testicule. J'ai dit à Dieu, donc c'est pour ça que tout arrête mon message. Moi j'ai mes deux testicules. Si lui-là un seul, c'est son peu. Je sais même qu'il a fait comment pour avoir un seul. Tandis que tu parfois il met les gens dans la bagarre. Bon, c'est lui le machin. On est que les servir. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. J'ai dit, moi j'ai dit comme Dieu m'a dit. Frère, moi, c'est ce qu'il a dit au haut. Donc ça l'engage. Il y a quelqu'un ici qui a un seul test. Dieu me dit qu'il veut te donner le deuxième. Imaginez l'emballage dans un stade. Pour toutes les choses comme ça, c'est fait. Un jour je disais, un jour j'étais à prêcher à mon pays, j'ai dit, il y a un homme ici, tu couches avec la poule. Ma femme m'a tapé comme ça. Toi aussi, tu as des prophéties bizarres. Toi, des prophéties normales, comme une couche avec la poule. Ça, c'est que qui va se lever. Elle a dit, monsieur, c'est bon. Elle a dit, monsieur, c'est dans les rêves. Il dit, non, lui, avec la poule. Si vous connaissez ce qu'il souffre là dehors, vous avez dit merci Seigneur pour mon aloko et mon achoté. Je mange, je dors, moi tranquille. Donc, quand j'ai parlé comme ça, vous avez les témoignages. Là, je vous dis les choses que j'ai vues. Amen. Quand j'ai fini le témoignage, j'ai fini de donner la parole. Personne ne s'est levé. 2 minutes, 3 minutes. J'ai dit à Dieu que ce n'est pas le bruit que tu fais souvent. Toi-même, tu vas descendre prêcher parce que je vais encore prêcher comment alors que je vais te donner une fausse prophétie. Donc, toi-même, descends, viens prêcher. Quand je dépose le micro, je vois un monsieur de 43 ans environ se lever. Ben, il est là. Il dit, c'est quoi, monsieur? Il dit que non, j'ai... Tu as quoi? J'ai dit ok. J'ai appelé Jack. Allez vérifier que ce qu'il dit est vrai. Je n'ai pas dit les diacolés, j'ai dit les Jack. Mais pas les soucis, mais les soucis. Ils sont allés vers. Papa, c'est un seul. J'ai dit ok, mais pas c'est Dieu qui peut te guérir. Moi, je ne voulais pas te dire, c'est Dieu. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, tu ne te compliques plus la tâche. C'est pour ça que quand vous voyez prêcher, je n'ai plus pas beaucoup pour les gens longtemps. Je vais, c'est fini. Et ça va marcher. Je vais, le monsieur est parti. Dit, oh, tu vas où? Il dit, très bien. Il dit, non, allez vérifier encore. On a vérifié le deuxième testicule. Le même miracle, c'est le produit à. Il y a feu. C'est sur Internet, sur YouTube. Un musulman passait pendant ma croisade au stade au Cameroun. Il passait comme ça là. J'ai commencé à. Il y a un monsieur ici qui a dit de passer. Tu as un seul testicule. C'est un musulman. C'est sur YouTube. Sur place. On l'a filmé, c'est un peu. Les infrastructures là. Donc je ne trouvais pas les. Allez, que Google. Donc, mais c'est pas ça le miracle qui m'a touché. C'est qu'après il vient le micro, il dit qu'il veut parler. Et tu me dis quoi? Il dit non, il veut témoigner. Je dis, oh, t'es pas assez à crier. Peut-être il veut dire à sa femme que maintenant il peut répondre. Prends le micro et témoigne. Il parle de lui, il dit que. Joe, levez-vous. Il dit, quelqu'un témoigne, Joe, levez-vous. Le monsieur était un chef d'État. Il avait deux de ces gars-là. Il sort le pistolet. Il dit, nous sommes venus ici envoyés par tel. Dans le but de vous tuer. Lors de votre dernier passage, vous avez convaincu une femme qui était sa copine. Elle a abandonné, elle a dit qu'il va tuer l'homme qui a imposé les fesses. Il nous a envoyé ici, il nous a donné 4 millions pour vous tirer dessus. On attendait le moment de la prière. Quand vous avez commencé à lui fermer les yeux et prier, on allait faire BAM! Dans la foule, on allait s'en sortir. Je ne sais pas, vous êtes un homme de Dieu.
en réalité, Dieu voulait commencer le témoignage par le miracle pour sauver ma vie. Il est bon de payer à Dieu. Je prie pour toi aujourd'hui. Toute personne qui a planifié ta mort, il va mourir à ta place au nom de Jésus. Tu n'es pas mon Dieu. Il se tourne vers le mur. Seigneur, rappelle.
toi que j'ai fait ceci, ceci, ceci pour toi. Et tu as ajouté 15 ans. Je prophétise dans ta vie. Tous les sacrifices et les semences, toutes les prières et les jeûnes que tu as fait depuis que tu as cru, vont parler en ta faveur au nom de Jésus. Avec le point culminant. Sur la terre, la date de péremption. Quelle est la date de péremption? J'ai l'habitude de dire aux gens, fais attention quand tu reçois un prophète. Et je voulais vous dire, votre père est un prophète. Il y a une manière de gérer un prophète. Je le dis toujours à l'église. Il y a une manière. Regardez, vous voyez quelque chose qui m'approche de plus à jour. Dans mon église, c'est comme ça. Dans mon église, quand je m'approche de quelqu'un pour lui parler, il est agit. Bishop, apôtre. Parce que ce n'est pas devant moi qu'il a dit, c'est devant la parole que j'écarte. Vous savez, quand on marche ensemble, on joue ensemble, on rit ensemble. Je suis même de nature qui a très saine. Et quand je porte la parole, je ne suis qu'un homme normal. Je suis un esprit. Une entité. Amen. Un danger pour Satan. Amen. Mon caractère est là qui va frayer le chemin de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoutez, j'ai donné le témoignage. C'est ma femme. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevant. Le problème, c'est que plusieurs prophètes bénissent les gens dehors, mais leur propre église ne bénéficie pas de leur prophétie. Parce qu'ils deviennent familiers à leur prophète. Ta capacité, ce n'est pas parce que ton père est prophète que tu reçois la bénédiction d'un prophète. C'est quand tu le vois comme un prophète. C'est quand tu le reçois en qualité de prophète. Donc quelqu'un peut venir vers toi comme un prophète et tu le reçois comme quelqu'un d'autre, comme ton frère. Comme ton ami, comme ton fiancé, comme ton mari, comme celui qui te doit l'argent. Tu ne le sauras jamais. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Donc, mon père, là, vous êtes homme de Dieu. Mais si vous ne me voyez pas comme prophète dans vos vies, c'est que ça va marcher. C'est comme ça la vie. Et je disais ce témoignage parlant de mon épouse. Un jour, mon épouse vient me voir et me dit, j'ai bien, j'ai fini mon BTS, elle avait fait le doctorat, elle avait fini son BTS, elle a fait 6 mois de travail. Elle vient me voir et me dit que, toi tu donnes le travail à tout le monde, pourquoi moi ta femme, je ne travaille pas, tu veux me garder à la maison pour faire les enfants. J'ai dit à ma femme, que, comment tu me vois, je suis qui pour toi. Ma femme dit, ah, tu es mon mari. J'ai dit, voilà le problème. Et dit quoi? Le problème, c'est que tu vois le prophète comme ton mari. Oh, la Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Ça veut dire que si tu reçois un prophète comme ton mari, tu auras la récompense du mari. Et quelle est la récompense du mari? C'est les enfants. Qu'est-ce qu'un mari donne à sa femme? Les enfants. Et je lui ai donné 4. Donc je suis un bon. Elle dit, tu dois changer ta manière de me voir. Et vois en moi un prophète et le prophète de ta vie. Elle a dit, j'ai compris. Je m'en vais au bureau le lendemain. Ma secrétaire me dit, papa, maman veut te voir. Il dit, ah, maman, qu'elle veut me voir, elle a reçu l'homme. Elle dit que non, elle a demandé quoi l'annonce. Et, il y a encore un problème à la maison. Pourquoi? Je dis ok, fais-la entrer. Je dis, elle là-bas, je vais pour l'embrasser. Elle dit, hey, tu fais bisous au seul en Christ depuis quand? Je dis, seul en Christ comment? Elle dit, non, ce n'est pas ta chérie qui veut voir, ce n'est pas ta femme, c'est une brebis du Seigneur. Je suis venu raconter le prophète. Ok, ma fille, asseyez-vous. J'ai pris ta chaise.
David, le prophète, écoute. Le monsieur assis. Il dit, parlez, ma fille. Prophète, ça fait 6 mois que je suis sorti chercher le travail, je n'ai pas le travail. Je veux que vous prophétisez dans ma vie pour que j'aie le travail. Il dit, mais c'est un petit problème, vous avez une offrande? Elle dit, oui, j'ai l'offrande. Elles sont 220 000. Elle dépose là sur le tout. Pendant qu'elle sortait, j'ai vu dans son porte-monnaie, il y avait plus. Là, elle se dépose. Elle dit, vous voulez que j'aille travailler? Elle dit qu'elle veut travailler avec des grandes entreprises, avec le salaire de 1 million par mois. Elle dit, maman, tu donnes 220 000 à un prophète, tu peux salaire de 1 million, que ça va commencer. Sors tout ce que tu as, tu poses là. Ainsi dit l'Éternel. Ma femme a levé la tête comme ça, avec un œil pour me dire que you got. Après, je lui dis, c'est l'Éternel qui parle par la bouche de son prophète. Elle a dit, ah, elle croyait que c'était son mari qui parlait. Mais elle a vidé jusqu'à sortir sa carte d'identité. Elle dit, non, madame, prenez votre carte d'identité, le prophète n'a pas besoin. C'est l'argent qu'il a besoin. Elle a tout déposé. J'ai prophétisé. Va, ton histoire change. Nous sommes au travail. Elle dit, amen. Elle part. Elle sort. N'est-ce pas, me voilà qui arrive le soir à la maison pour manger. Je vois ma gouvernante vient me servir à manger. Je dis, où est ma femme? Je dis que non, elle est occupée, elle est à la chambre. Donc, c'est toi, elle m'a dit que je te sers. Je dis, hey. Je vois la maison me sert l'entrée, plein de résistance et sortie. Mais le jour là, on me sert rien que l'entrée. Je dis, ma gouvernante, où est la? Où on me sert rien que le plein de résistance? Je dis, où est l'entrée? Où est la sortie? Elle dit, maman a dit qu'il n'y a pas, que c'est rien que ça. Va l'appeler. Où est l'entrée, les avocats, carottes et le truc, et puis le truc. Elle dit, justement, je voulais te parler. Elle dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que quand je partais au marché aujourd'hui, je me suis arrêté chez un prophète. J'avais prévu une semence de 220 000. Pour lui donner. Et le reste, je devais aller faire le marché pour t'acheter des avocats, des carottes et des trucs pour venir faire ton entrée et ta sort et ton jus d'orange. Mais le prophète avait les longs yeux. Le montant que je lui ai donné, il a dit que c'est petit. Il a vidé tout mon porte-monnaie. Je te dis. Et il est parti avec. Donc je n'ai plus aller au marché acheter les entrées et les sorties. Donc je vais te donner le numéro du prophète là. Tu vas l'appeler pour qu'il remette le reste d'argent. Parce que toute la semaine, je ne suis pas sûr que tu auras les entrées à cause du prophète. J'ai regardé ma femme, j'ai dit que à malin, il est vide. Mais une semaine après. Ma femme a trouvé son travail à la banque mondiale. 1 million par mois. Elle a travaillé à la banque. Elle ne touchait même plus que moi. Je prophétise cet adage. Il y a 4 personnes ici. Tu vas travailler avec les organismes internationaux avant la fin de cette année. C'est ton amen qui fait que ton nom est qualifié pour toi. Mon message avant de commencer. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Regardez là où la révélation vient. Croise les impies et les roses jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. Lève ta main et dis avec moi jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. Plus fort, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. La date d'épération de ta souffrance commence. Quand l'esprit est répandu. La présence de l'esprit de Dieu dans une vie avec la souffrance. Jésus était charpentier. Personne.
connaissait, c'est quand l'esprit est descendu sur lui que sa renommée a commencé à se répandre. Il y a trois dimensions de l'esprit. Il y a l'esprit en toi qui fait de toi un citoyen du ciel, enfant de Dieu. Il y a l'esprit avec toi qui fait de l'esprit ton conseiller et ton aide. Ça s'appelle la dimension paraclétos. Et il y a l'esprit sur toi. C'est la dimension dunamis. C'est le revêtement de puissance, d'onction, d'autorité et de distinction qui fait que tu deviens une marque pour ta génération. Amen. Et c'est cette troisième dimension que je vais libérer sur la terre. Amen. Chaque temps que vous va partir avec une onction spéciale de Dieu. Amen. Si tu dis amen en bousculant ton voisin, ça va au delà. Si tu dis amen en bousculant encore ton voisin, la chose est quelqu'un s'est réveillé. Ton voisin qui dormait n'est jamais laissé. Dis avec moi, l'esprit sûr. L'esprit sûr. Dis l'esprit sûr. L'esprit sûr. Fais comme ça. L'esprit sûr. L'esprit sûr. Dieu m'a dit aujourd'hui, 123 personnes vont recevoir un miracle par la présence de l'esprit de Dieu qui va recevoir. Dieu descend sur toi, quatre choses se passent. Et c'est avec ça que je vais prier. Parce que je vais prier pour que l'esprit descende sur toi. Amen. Comment je fais pour ressusciter les morts? Par l'esprit sur moi. Ma première résurrection de moi était bizarre. Je venais de me marier. Et Dieu parlait. C'est bon, je vais vous raconter ça. L'esprit sur toi. Ça provoque des choses incroyables. Amen. Ma vie a changé quand le Saint, j'avais le Saint-Esprit en moi, mais je n'avais pas le Saint-Esprit sur moi. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Quand le Saint-Esprit est sur toi, quatre choses se passent. Numéro 1, l'impossible devient possible. Et tu apporteras un fils. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais aucun homme. Là, je lui dis que quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il y a quelqu'un ici là. Tout ce qu'on avait déclaré impossible dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu dis amen, viens, je vois quelque chose de Dieu à l'usage d'un homme. Quand l'esprit de ça, l'impossible de Dieu, possible. À toi là, au mois de mai de cette année, à toi là, une femme de 61 ans, j'ai de prophétiser. Elle dit le Saint-Esprit va descendre sur les gens et l'imposer sera possible. Et il dit, il y a quelqu'un ici, ton téléphone va sauver là, là, là. Et tu vas recevoir ton miracle. Pendant que je prophétise comme ça. Quand il me souffre, tout à l'heure, vous allez voir. Son téléphone a sonné pendant le cul. Amen. 61 ans. Amen. Un homme en Bordeaux lui demandait un mariage. Amen. En France. À l'instant où je vous parle, son mari. Amen. Quand il a appelé la semaine, il a fait l'envoyer tout l'argent pour les biens, tout. 61 ans, une femme, 61. Elle a dépassé la ménopause. Elle est déjà dans la ménoscope. Et jusqu'à là, un homme lui demande à ma femme française. Toi, tu es là, tu n'as même pas encore atteint même un méno. Tu es encore à play forward. Tu es encore debout partout, mais personne ne te cherche. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Je vais libérer 18 mariages aujourd'hui.
Il y a marié. Marie. Il y a des gens de mari. Quand tu es marié, tu ne peux pas que tes amis sachent que c'est ton mari. Tu ne peux même pas sortir avec lui en plein jour. Et quand tu dois avec lui, tu éteins d'abord toutes les lumières. Il a un beau femme tout comme ça. Mais il y a des gens de mari que quand tu marches avec lui. Je t'aime, c'est avec 1 million dans tes poches. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Amen. Parle de gens de frère qui veulent te voir et te dire ma soeur. Ma soeur. Quand je te vois, mon cœur fait poumon. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Je t'aime de tous mes poumons, de tous mes tendons et de tous mes os. Et quand tu dis, ok, je vais réfléchir, pourquoi? Et il veut y avoir tu dis, ma sœur, attends d'abord. Pardon, est-ce que tu as 2 000 à me donner là? Je vais prier. Le genre de frère là, qui vient te draguer, te demande l'argent de ta fille, c'est la malédiction. Chasse la personne au nom de Jésus. Son mari prenait une deuxième femme parce qu'il n'a pas d'enfant. Ah! Tu veux me voir là? Non, je veux. Madame, que je. Elle arrête mon pied comme ça. Tu me donnes un enfant ou je vais? Je dis, maman, je te donne un enfant comment? Je te punis avec les enfants. Elle a dit quoi? Je te punis avec les enfants. Elle a dit, je veux les enfants. Tu auras les enfants, moi tu me seras fatigué. Elle dit depuis 10 ans que j'attends l'enfant, tu t'es fatigué. Donc je prends. Elle pensait qu'elle parlait avec un petit prophète. Elle fait. Elle part. 6 mois après, elle est enceinte. 9 mois après, elle va à l'hôpital pour accoucher. S'il te plaît. Le témoignage est dans mes livres. Le témoignage est dans mes. Même les sur YouTube. C'était tout. 6 mois après, les enfants avaient 6 mois. Elle tombe en concert. Elle va à l'hôpital, s'il te plaît. Les enfants là avaient 5 mois. Les autres qui plaient. Elle tombe en bosse. Elle va à l'hôpital des jumeaux. Ça fait 8. Un jour, je suis à l'église en train de prêcher. Quelques temps plus tard, je vois au fond de l'église un nouveau enseignement de l'église. Un monsieur avait des enfants comme les Dalton. Et une femme à côté qui a arrêté un porteur. Je vois comment la femme fait comme ça. Le monsieur dit. Je vois comment le monsieur arrête les enfants avec les autres. Et la femme porte, il tient les enfants. Ils amènent. Le monsieur devant le monde, devant les gens. C'est vous le général de Dieu, prophète quand même. Je n'ai pas la bonne vie. On ne sait jamais. Il dit pourquoi? Parce qu'il peut réclamer que sont mes enfants là-bas alors que moi je ne reconnais pas. Il dit que non. Ma femme, si on a fait 10 ans sans enfant, elle a l'eau de génial partout. Bien. Elle vous a vu dans votre télévision. Elle a dit qu'elle veut venir vous écouter. Je ne sais pas ce que vous avez donné à ma femme. Ce qui s'est passé. Maintenant, ma femme est rentrée. 6 mois après, je monte sur ma femme. Mes appétits plaît. Je veux m'amuser avec ma femme, elle tombe enceinte. J'embrasse ma femme, elle tombe enceinte. Je salue ma femme, elle tombe enceinte. C'est devenu quoi? J'ai dit, hein,
Donc tu là ne connais pas le planning familial. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a crise économique? Je vais nourrir les enfants aussi avec moi. En tout cas, ce que tu as mis dans le ventre de l'enfant, enlève ça aujourd'hui. Il y a quelqu'un ici. Ce que tu as rêvé à voir, je te prie avec ça aujourd'hui. Je te prie avec ça aujourd'hui. Tu seras plus riche que toute ta famille. Tu vas prospérer plus que n'importe quelle personne avant toi. Ton ministère sera établi aux États-Unis. On parlera de toi plus que de cet homme au nom de Jésus. Il y a une fois et tu vois cela arriver. Tu ne reverras plus long que ton voisin. Ton ministère va durer, 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 plus que tous les autres. Quelqu'un dit voilà. À l'église de Sakiplan, c'est l'église de Lightworld, Lightworld Mission en Allemagne. Une femme là-bas m'a vu. Je donne des témoignages pour fortifier ta foi. Amen. Une jeune femme m'a vu, elle avait 32 ans. Personne ne lui a demandé un mariage. Elle dit, papa, est-ce que tu es en Allemagne à 18 ans pour faire école des études? Mais je ne comprends pas comment je suis là. Les plans, c'est... Personne ne me demande à mariage. Vous savez que c'est embarrassant pour une femme de l'exemple de la fille, elle ne lui fait pas la cour. Je lui dis, tu veux quoi? Elle dit que je veux me marier. Mais c'est qu'on me demande comment à marier, je suis une femme. Donc on essaie quand même pour que je me sente femme. J'ai dit à la femme là, prends ta Bible et ton sac, elle a pris. Cours d'un bout à l'autre, autant de fois que tu veux. Elle a commencé à courir, courir. À 5 fois, elle s'est partie. Elle est courue. Elle a couru 17 fois. Elle a dit, papa, je suis fatigué pour 17 fois, ça va. Elle dit, va, ton miracle est arrivé. J'ai fini en Allemagne une semaine. Je suis rentré au pays. Le samedi, après le jour que je suis rentré au pays, mon téléphone sonne. J'étais au niveau du stade de sport, dans ma voiture. Le téléphone sonne. Allô? Oui, papa, tu me reconnais? Non. Toi, c'est qui? Ça fait 2 semaines que j'étais en Allemagne. C'est la femme que tu as fait oublier. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle dit, en 2 semaines, j'ai reçu 17 demandes à mariage. Wow. Si tu n'as pas plus le miracle de ton choix. Parce qu'il y a les gens qui mentent au nom de la prophétie. Il y a les gens qui viennent mentir, des prophètes, des menteurs. Dites les choses. Je suis un homme qui a plus de 10 000 personnes dans son église. 10 000. J'ai 33 églises. Et tu as vu 100 000 pasteurs. Un homme ne peut pas raconter des histoires et avoir autant de personnes avec des églises différentes. Fidèles. Pendant des années qui nous sont. Dans lesquelles il y a des sénateurs, des diplomates, des ministres, des généraux. Donc ce que tu n'es pas blagueur. Parce que fais attention des gens qui n'ont pas d'église, qui viennent de France, partout, ils veulent raconter des histoires. Leurs églises sont dans la mallette. Allez sur moi Facebook, vous voyez les églises qui sont en train de souffrir partout. Référent docteur du Nodoka. Donc je ne parle pas pour parler. Parce que quand je vous dis, on est acclamé, vous dites que oh, le cas, il veut vous épater. Attends, je vais t'épater avec quoi? Vraiment, j'ai 40 ans, je vais t'épater avec quoi? Tu vas voir qu'elle est épater.
dit à quelqu'un ici là, quelque chose que tu n'attendais plus va frapper à ta porte. Parce que quand l'Esprit descend sur toi, c'est que les prisons explosent. Amen. Les prisons explosent. Amen. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu sur toi et on t'emprisonne encore. Tu sors de toute forme de prison. Amen. J'ai dit, tu sors de toute forme de prison. Amen. J'ai dit, tu sors de toute forme de prison. Amen. J'ai dit, tu sors de toute forme de prison. Pendant que tu fais le mouvement, je te vois sortir d'une prison avec lui. Je vois ta famille sortir. Je vois ton frère, ta soeur, ton père, ta mère sortir de cette prison. Pendant que tu dis amen, ça arrive là de nous. Assois-toi. Et mon autre main. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu as ce que j'appelle un traitement de faveur. Amen. Dis avec moi, traitement de faveur. Dis-le plus fort, traitement de faveur. Encore plus fort, traitement de faveur. J'ai parlé du recevoir la faveur. Là, c'est une question de faveur. En 2005, il y a 11 ans, 2005, ça fait 11 ans. En 2005, je suis invité à une conférence internationale des hommes de Dieu en Colombie, à Bogotá. Il n'y a pas d'ambassade de Colombie au Cameroun. Mais à cette époque, on prenait le visa pour le Brésil. Et du Brésil, on partait en Colombie. J'arrive en Suisse. Et les autorités suisses refusent de me donner d'entrer dans leur avion pour aller à Colombie parce qu'ils disent que je n'ai pas le visa. J'ai dit, mais il n'y a pas, j'explique les codes de combat, on refuse. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, souvent ce témoignage, j'ai dit comme ça. Montre sa petite papa, c'est un numéro qui vient d'apparaître sur ma main.
Le témoignage est dans mon livre, tu es un miracle potentiel. Le plus premier livre que j'avais écrit. Il dit, papa, voici le un numéro. Ça doit être le numéro du président. C'est apparu mystérieusement sur la main. Le père appelle le numéro, ça tombe sur la ligne rouge du président. Le président dit, qui vous a donné ce numéro? Il dit, c'est Dieu. Le président, si Dieu vous a donné ce numéro, que seuls les chefs d'État connaissent. Et que je charge chaque deux semaines, à cause des femmes, demandez ce qu'on vous voulez. Il y a un homme de Dieu en Suisse qui doit avoir le vol dans 45 minutes. On lui refuse parce qu'il n'a pas de visa. Or, on n'a pas d'ambassade là-bas. Le président, c'était un dimanche, a appelé le ministre des Relations extérieures, qui a appelé le directeur d'études de l'immigration. Il les a fait travailler le dimanche. On a envoyé un fax. Amen. Amen. Lorsque j'étais assis, je n'avais pas fini de boire mon Pepsi Cola. Quand on entend, Monsieur Camden, Monsieur Camden, Monsieur Camden, je vous garde, vous êtes attendu à tel guichet. Je m'en vais, je m'incline au guichet. Et puis je vois que le monsieur qui m'avait refusé là, c'est un autre guichet. J'ai dit que je m'en vais voir le monsieur là lui-même. C'est lui qui m'a dit non, va me dire oui. J'ai dit qu'on m'a appelé. Il dit que non, je vous ai dit que vous ne pouvez pas voyager. J'ai dit, votre patron vient de m'appeler. Mais c'est vous, monsieur, quand j'ai dit oui. Il fallait nous dire que vous connaissez le président de la République. J'ai dit non, je suis désolé, je ne le connais pas. Mais je connais son patron. Je ne connais pas le président de la République, mais je connais le patron du président de la République. Et le patron, c'est Jésus de Nazareth. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le maître de l'univers. Quelqu'un dit Amen. C'était ma première fois en 2005 d'entrer dans une classe affaires. Je suis accepté. Bon, depuis le jour, j'ai été présenté d'ailleurs. Je suis allé dans Bogota. Le président voyait la limousine présidentielle et les cadres du corps venaient me chercher. J'ai signé avec le président de la République. Il m'a demandé trois choses. Je lui ai dit trois choses que tu veux. Il m'a dit un, la victoire sur les femmes. Deux, il y avait un célèbre journaliste, une femme française, Bettencourt, qui était emprisonné. Il voulait qu'on la libère, parce que ça créait des problèmes entre lui et les oxydations. Et trois, il voulait gagner les élections l'année qui suivait. Je lui ai dit, les trois choses sont arrivées là. Amen. Même année, on a libéré Bettencourt, le chef des phares qui est mort, et il a gagné les élections. Amen. Ceux qui sont là-bas sont pour moi. Mais vous vous habillez
conformément à ce qu'ils sont. Si tu vas aller au palais, il y a les ministres, tu t'habilles avec la veste cravate. Si tu vas au stade, c'est le football, tu portes le jogi ou le. Mais c'est vrai ou c'est faux? C'est pas ça? C'est vrai. Quand tu vas aller au stade, demande-toi qui sont ceux qui sont allés là-bas. Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Joseph, David, Salomon. Est-ce que tu as remarqué que je n'ai pas considéré le nom d'un pauvre? Tous sont des milliardaires. Quelqu'un va me dire, mais Lazare. Ah, Lazare. Lazare. Il s'est bien pour te dire. Quand Lazare est mort, Lazare n'est même pas. Il est allé dans la maison d'Abraham. Il louait Abraham. La Bible dit que, et puis même lisez bien la Bible dit que il y avait un homme riche. La Bible dit, le riche mourut et là, là dans les flammes, dans la souffrance. La Bible dit, il y avait un homme appelé Lazare. La Bible ne dit pas Lazare mourut. La Bible dit le mort mourut. Quand le pauvre, il dit le pauvre, quand le pauvre meurt, quand la pauvreté en toi meurt, tu deviens riche. Quand le riche en toi meurt, tu deviens pauvre. C'est pour ça que quand le riche est mort, il allait en souffrance. Quand le pauvre, quand Lazare est mort, il allait là où il est allé. Regardez, c'est la pauvreté qui vous a amené comme ça. Attendez. Non, attends pas, regardez. Est-ce que tu sais que personne n'a le droit de confesser son péché dans la pauvreté? Aucun pauvre ne connaît ce baptême. Regarde si mon mec l'a pitié aujourd'hui. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite. C'est l'ordre des préceptes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances. Qu'est-ce que j'ai avant nous? Donne-nous aujourd'hui notre pain. Quand tu nous as donné le pain, qu'on a mangé, on est rassasié. Maintenant, pardonne-nous nos souffrances. Le ventre affamé ne peut pas bien confesser ses péchés. Parce qu'il finira toujours par retourner dans le. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille donne son corps à un vieillard? C'est l'argent. C'est la pauvreté. La plupart des gens qui sont là dehors, c'est la pauvreté qui les font. Ce n'est pas qu'ils aiment ça. Attends, tu es pauvre, tu n'as pas le choix. 123, verset 1. L'éternel est mon berger, je le marque. Définition du dictionnaire Larousse. Qu'est-ce que la pauvreté dictionnaire Larousse? La pauvreté est un état de manque. La pauvreté est un état de manque. Dictionnaire Larousse. Or, s'il faut prendre cette définition du dictionnaire et la placer dans la parole, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et que la pauvreté est un état de manque, ça veut dire l'éternel est mon berger, je ne serai pas pauvre. L'argent. Donc ça veut dire qu'il y avait l'argent. Amen. Attends.
tu ne peux pas comprendre. Ta fille t'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il y a la dimension de la parole lampe et la dimension de la parole sentier. Lorsque la parole est lampe à tes pieds, ça regarde rien contre le doigt. Mais lorsque tu te déplaces déjà dans la révélation, ça devient une lumière sur ton sentier. Ça va plus loin. De la parole comme lumière. Amen. La Bible n'a pas dit et la lampe lui dans les ténèbres. La Bible dit et la lumière lui dans les ténèbres. Hey. Agada bagada. Aujourd'hui, je maudis la prophétie dans ta vie au nom de Dieu. Le joueur. Qui le connaît? J'ai rencontré sa vie. Je lui ai dit, c'est votre bon nom. J'ai peur des Ivoiriens. Donc quand je viens ici, je serre mon cœur. Parce que quand il est venu être là, le prophète va commencer à prophétiser à l'anglais. Vous avez réussi à prendre notre pichichi. Quelqu'un dit, hey. C'est normal, les Ivoiriens sont très belles. Amen. Je ne parlais pas des Burkinabés qui sont ici. Je dis, les vrais Ivoiriens sont très belles. Quelqu'un dit, Amen. J'ai dit à Samuel un jour, ta vie change. Tu n'es pas enfant de Dieu, mais pas de problème. Tu deviens le jeune le plus riche du monde. Une semaine après, Samuel a signé le contrat avec le club russe. Il est devenu le jeune le plus riche. Milliard. Ça a fait le tour du monde. La première personne qui est venue le messie qu'elle est arrivée au Cameroun avant le président de la République, c'était. Parler à un homme qui devient milliardaire. Pourquoi que toi qui es enfant de Dieu là? Avant le 31 décembre, tu vas regarder l'argent, tu n'arriveras pas à compter là. Tu n'arriveras pas à compter l'argent. Mais il est arrivé au Cameroun deux fois. Amen. Je
te vois ce qui s'est passé. Chaque fois qu'il est venu, il était dévasté. Il est venu, j'ai logé, nourri à l'hôtel pour. Ah, il est venu, il est mais une voiture pour le porter là. Parce que moi, je pensais à ma croisade.
que je vais trouver 2 millions pour faire la croisade. Il a parlé pendant 5 minutes. J'avais les rêves même déjà. Tiens, moi je ne connais pas trop écouter les gens comme ça. Je ne suis pas pasteur. Donc, quand il a fini, il dit que vraiment, papa, j'ai tout perdu dans le temps que j'avais. J'ai tellement tout perdu qu'il me reste seulement 2 millions. Je me suis réveillé. Il te reste combien? Tu veux quoi? Il dit que vraiment mes affaires sont bloquées. Je apporte les 2 millions là, je débloque les affaires là. Son oncle lui dit que je t'avais dit que le gars s'était menti. Tu vas te tourner la tête. Comment tu lui dis que tu as tout perdu de ces 2 millions? Il te dit d'aller encore sortir les 2 millions pour lui donner. C'est pourquoi tu les avais menti. Allons! Cela n'écoute pas ton nom. Ceux qui t'ont recommandé vers moi savent pourquoi ils m'ont fait. Essaye, tu vois. Là, il y a son oncle, oui, là, je me suis fatigué, il y a tout perdu, il y a tout perdu. C'est que ça que Dieu lui m'a abandonné. Il est donc parti à la main, il a porté, Dieu lui l'a posé. J'ai demandé à ma scompte, parce que tu as compté. C'est de me dire, il était à genoux, quoi. Il s'est à genoux. Son oncle était fâché. Et quel est ce neveu idiot qu'on peut lui tromper comme ça? Le monsieur avait deux téléphones. Vous savez, les gens qui viennent de Bain. France, on appelle les Bengis. Il est là avec d'autres. Il est à genoux, toi. J'ai mis la main sur sa tête. J'ai pris lui. Et pour l'onction de la prospérité qu'il y a sur ma vie, j'ai dégagé ça sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Pendant que j'ai prié l'homme d'âme, son téléphone a commencé à piquer. Il me parle au téléphone, j'ai tâche sa main. On ne prend pas au téléphone quand on prie le Seigneur. Son oncle était là fâché. Voyez que la prière dure. Ah, lâchez le bébé. Parce qu'il venait de perdre son père, il venait parce qu'on disait que je dois aller répondre au téléphone. Pendant moi, il est conscient toujours à prier. Pendant qu'il va répondre au téléphone, quelqu'un lui a appelé quoi maintenant? Prophète, prophète, arrête la prière, tu es exaucé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de fil venait des États-Unis. Le contrat avec Microsoft. Wow. Qui faisait qu'il va livrer à toute l'Afrique centrale les ordinateurs dans tous les lieux de plus de 253 milliards. Toute l'Afrique devait couvrir l'événement de tout, de tout pour le marché de tout. Des francs CFA, pas de dollars. C'était un million, peut-être millions, peut-être 400 millions de dollars. Ce truc lui a été donné et il faut qu'il monte signaliser, signer le truc. Parce qu'on a en train de vouloir faire un pyromane, un premier pyromane dans l'Europe. 160 quelque chose de milliards comme une amende par rapport à un contrat que vous avez. Il est devenu milliardaire avec une seule prière. Il a donné 2 millions sans vierge. Amen. Vous voyez que je finis. Le dernier témoignage qui est en train de choquer les gens maintenant, maintenant où je vous parle ici au Cameroun, c'était quand je venais ici. Non, tu n'as pas la cible, tu es dans la cible. Oui, le témoignage, il y a un témoignage d'un monsieur qui est venu de, d'un pays là. Voilà, il a trompé ses parents qu'il allait quelque part. Gabon, il a trompé qu'il allait quelque part. Il m'a suivi à la télé. YouTube, sur YouTube. Des miracles. Oh yes! Non, j'ai pas le passé, il était la cible. La cible, c'est ma convention que j'organise. Hein? Oh, viens là. Je suis ici là. Je ne viens pas. Bon, attendez. Le témoignage qui choque les gens maintenant, je vous dis des choses vraies, s'il vous plaît. C'est une fille de 23 ans. Pour 23 ans. Elle a traduit mon livre-ci, La puissance des hôtels. Vous le livre-là. C'est elle qui a traduit ça en anglais. Elle s'appelle Frichagol. Frichagol. Traduit ce livre. Elle dit, mais je lui ai dit que je te paye comme je vais lui donner 1 million. Elle dit que non, je ne prends pas ton argent. Elle dit pourquoi? Elle dit, je ne veux plus de l'argent. Je veux que tu me touches. Je veux le marteau. Elle dit quoi? Mais c'est lui qui dit, non, mais non, elle dit, vous êtes bête. Vous travaillez pour l'homme s'il vous paye. Vous ne connaissez pas qui c'est. Elle n'est pas de mon église. Elle dit, je ne veux pas taper pour lui le paye. Jamais. Je veux le marteau qui me touche. C'est tout. Elle a 23 ans. Elle a le bac.
va, c'est fini. La vie change. Trois semaines après, Fisha n'a pas présenté demande de service, demande de travail. Elle n'a rien écrit pour personne. Les Nations Unies l'appellent. C'est le témoignage, ça fait pas un mois. Les Nations Unies l'appellent et la proposent comme directrice de la communication des Nations Unies au Cameroun. 23 ans. Elle n'a pas fait demande, rien. Elle a écrit. Elle a où donné son bureau. La semaine-ci, si, elle vient de voyager dans le jet privé des Nations Unies. Attends, c'est sur Facebook. Vous cliquez Fisha Gold, Gold Fisha, F-L-I-S-H, elle est sur Facebook. Vous cliquez, sinon vous allez avoir une petite fille comme ça, dans le chat privé de la sauce. Après une prophétie que j'ai prononcée, laissez-la pas toucher. Toi, tu es là, tu joues quoi avec ta vie?